suis bien dans un groupe de folk rock Vénergique de Strasbourg. On est né en mars 2013, donc cette année. Depuis, on a sorti un petit album. On prépare, on essaie de tourner en studio prochainement pour la prochaine année. Alors, moi, je suis le batteur, et pas un percussionniste, comme on a pu l'entendre précédemment. Oui, donc, batteur et pas de chant, juste la batterie. On a essayé de le faire chanter, mais. C'était une catastrophe. Non, il faut pas c'est et pas toi PA. Moi, c'est Arthur, je fais la basse et je fais les chœurs. Très jolie voix. Je fais des chœurs. C'est parce qu'il est plein d'amour. Et donc, moi, c'est Alan et je fais la guitare et le chant. Et je compose et je fais la vaisselle. En fait, à la base, donc, le groupe devait s'appeler Beers, et comme on est trois, on s'était dit que ça pouvait être plus sympa de reprendre l'idée des trois ours, et voilà, pour le côté un peu enfantin, et puis aussi bah, parce que, je sais pas, il doit peut-être y avoir une distinction physique. Puis nous étaient passés. Oui, voilà. Au niveau des influences, c'est assez divers parce que... On a tous les trois eu pas mal de groupes avant celui-là, donc et de divers styles. En fait, donc c'est un joyeux mélange, ouais. Même si on essaie de garder toujours la ligne folk. Ouais, en fait, ouais, on va dire folk, c'est un mot qui aujourd'hui est un peu à la mode, alors du coup, pour mettre un peu les choses au clair, on a tendance à faire plus de bruit que les groupes folk qu'on voit actuellement, surtout sur Strasbourg, et c'est peut-être pour ça qu'on arrive un peu à faire plus de concerts. Mais c'est énergique, mais jamais violent. Ça dépend. Ça dépend. En dehors du... Ça dépend du point de vue. S'appelle Pandaro Productions, et donc avec ce collectif on va faire des tournées en 2014, et là le prochain concert qu'on a c'est à Souffelweyersheim le 7 décembre on jouera au Téléthon à Orbès si je ne me trompe pas, et après pour 2014 on partira donc en tournée un peu partout en France normalement, mais il faudra nous suivre sur Facebook tout ça pour voir parce qu'on veut garder la surprise pour l'instant. Et donc ça fait 8 mois que vous existez, comme ça vous avez déjà fait autant de concerts. En fait, c'est parce que PA a beaucoup d'argent et du coup, en fait, il sous-noie les salles de concert. Tous les prestataires de service. Non, en vrai, c'est parce qu'on est très beau. Non, en fait, on ne sait pas trop nous-mêmes. En fait, on a eu la chance de se créer en mars de cette année et de faire directement un concert. On s'est créé le 3 mars, si je ne me trompe pas, et le 21 mars, on faisait déjà un concert. Et depuis, on ne s'est jamais arrêté. À chaque fois qu'on fait un concert, on a des gens qui viennent nous voir, qui veulent nous faire jouer. Et finalement, là, on doit être notre 26e, 25e concert, je crois, aujourd'hui. Et on en a déjà une trentaine de prévus pour l'année prochaine. Et je pense, honnêtement, que c'est juste parce qu'on bah, ne triche pas, on est cool avec les gens, qu'on va jouer qu'à part, et on est beau. C'est pour ça qu'on vient nous chercher plutôt que... Voilà, pour l'instant, on n'a pas beaucoup cherché de concerts. On nous a beaucoup proposé de concerts, mais de même, on n'a pas beaucoup cherché. Et... ça vraiment chouette, ça... enfin on a conscience qu'on a beaucoup de chance aussi, c'est surtout ça en fait, en vrai c'est la réponse la plus courte, ça aurait été de dire qu'on a beaucoup de chance. C'est de venir écouter.
Monsieur John F. Kagg, que pensez-vous de la soirée ? Eh ben, c'est une très bonne soirée pour le moment. Je ne regrette fortement pas d'être venu ce soir. Très bien, très bien. Voilà, que puis-je dire de plus ? Je sais pas. Vive les frites. Je le mettrai en bonus de la vidéo. Vive les frites, c'est comme dire un truc insensé.